Cette plateforme bois est née de la volonté des élus d'alimenter en bois énergie la chaufferie de la piscine Alréo et d'approvisionner en bois local. Donc on a créé et développé une filière bois énergie locale. Donc 100% du bois qui approvisionne la chaufferie de cette piscine provient des communes du territoire. Au-delà de l'aspect environnemental, le bois est une énergie disponible localement, dont le prélèvement coûte beaucoup moins cher que celui des énergies fossiles. Une journée de fonctionnement au gaz coûterait à la collectivité environ 1000 euros, alors qu'une journée de fonctionnement au bois coûte environ 200 euros de consommation d'énergie pour la fourniture de chaleur de la piscine. Alors donner son bois à la collectivité, c'est participer au fonctionnement d'une économie locale. Et pour la collectivité, ça représente une économie de fonctionnement qui se ressent sur le prix unitaire de l'entrée à la piscine. Et c'est également important sur un aspect environnemental, puisqu'on développe une énergie renouvelable en circuit court. Et donc c'est un engagement du territoire pour la planète et pour réduire les effets du changement climatique. Pour approvisionner la plateforme bois énergie de la communauté de communes, il y a deux modalités. Les agriculteurs, d'une part, peuvent vendre leur bois en plaquette à la collectivité. Pour cela, il faut qu'ils se soient engagés à minima dans une charte de gestion pérenne et raisonnée du bocage. Et d'autre part, les particuliers ou les entreprises, les communes, peuvent donner leur bois à la collectivité, leur bois rond. Et la collectivité, suivant les quantités, reçoit le bois sur la plateforme pour les petites quantités ou pour les plus grosses quantités, la collectivité va chercher le bois sur les chantiers même, en prenant à sa charge le déchiquetage et le transport du bois vers la plateforme. C'est un projet qui permet en plus à des entreprises et à des agriculteurs d'avoir des compléments d'activité. Donc c'est un vrai projet de développement durable.